L'impossible est possible. L'impossible est possible. L'impossible est possible. Lorsque tu es là. Tout est si bien. Ok. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are holy. And forever you are God. Thank you, Lord. You are holy. And forever you are God. Forever you are God. Thank you, Lord. You are holy. Hallelujah. Oh. J'ai envie de danser un peu. Bonjour, bonjour. Il faut dire que ce chant, je l'ai reçu en vision quand j'étais au Bénin. Voilà, je salue la communauté béninoise, je salue l'église du Bénin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Arnaud est où? Vite! Rapidement! Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a béni. Oh. Jésus m'a sauvé, il m'a béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé, et je suis béni. Et dire à mes morels. Que Dieu bénisse ta journée. Arnaud est où? Habacuc a dit que je me tenais sur la tour à mon poste. Pourquoi vous n'êtes jamais à votre poste? Excusez un instant. Alléluia, oh, mon Jésus. Jamais sera vous et diront. On te dit de rester sur place et que la lumière revienne. Allume-moi ça. Oh. Allez, monsieur. Je suis béni. Il m'a béni. Je suis béni. On est béni. Je suis béni. Et Jérémie Sera. Zéram.
Oh, eh. Mets la deuxième clim, pardon. Et Jérémie Morévo. La télécommande là est où? Que Dieu te bénisse. Je bénis ta journée dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. La télécommande. La télécommande, ça. Alléluia, oh, Jésus, oh, je suis béni, oh. Gorami wa annas prameras wa annas malota velaza wa anna gromerazi. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Je suis béni. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment spécial. Je prie que chaque personne connectée reçoive une visitation divine dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce souveraine soit ton partage dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Arnaud, que sa main soit sur toi au nom de Jésus. Tourne-moi l'écran là, en sorte que je puisse voir clairement ce qui se passe. Tourne un peu ça comme ça. Mets ça là. Sur l'autre meuble, comme ça, entre sa table et le meuble là. Oh, où tu tournes, je veux que ce soit bien tourné. Voilà, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Cette journée est bénie dans ta vie, elle est bénie au nom précieux souverain de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, tourne encore. Merci pour ta faveur, merci pour ton amour. Seigneur, nul n'est semblable à toi, personne. N'est comme toi. Merci parce que Satan est puni dans nos vies. Que Dieu punisse le diable dans ta vie au nom souverain de Jésus de Nazareth. Oh, gloire à Dieu. Change-moi la lumière ici. Mets-la, la blanche. La lumière blanche. La télécommande est où? Sa télécommande est où? Ok, c'est bon. Où la télécommande? Est-ce que c'est ça la télécommande là? C'est pas ça? Hein? Oh, perfecto. Seigneur, gloire à toi. Voilà, bien-aimés, nous avons la conférence des hommes de Dieu. Une conférence des hommes de Dieu. Et j'ai expliqué que le thème de cette conférence, c'est comprendre les mystères de la science du ministère. Les mystères de la science du ministère. Donc, bien-aimés, c'est une occasion extraordinaire. Je veux exhorter tous les hommes de Dieu à être présents. Tous mes fils, à être présents. Si tu peux être là, sois là. Il y a des délégations qui veulent venir de dehors. Que Dieu vous bénisse. Et il y a les gens qui m'ont demandé, papa, comment faire pour être là? Quelles sont les modalités? Quelles sont les conditionnalités? Je pense que la seule conditionnalité, c'est que si vous avez vos moyens, vos possibilités de voyager et de venir, faites-le. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc nous allons cette grande conférence à Yaoundé et à Douala en une semaine intense. Nous allons commencer du côté de Douala. Et nous allons achever du côté de Yaoundé. Pendant que nous le faisons, pendant que tu viens à cette conférence, que Dieu te bénisse. Vous savez, bien-aimé, l'œuvre de Dieu, pour moi personnellement, la vocation de Dieu est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais je n'ai pas compris ça comme ça. Lorsque le Seigneur m'a appelé à son service, je ne voulais pas. S'il y a quelque chose dans ma vie que je n'ai pas voulu faire, c'était de devenir pasteur. S'il y a quelque chose que je n'ai jamais aimé dans ma vie, c'était de devenir homme de Dieu. Vous voyez. Lorsque le Seigneur m'appelait, juste dans les alentours de cette époque-là, je venais d'avoir mon bac en Ngaoundal. Je venais d'avoir mon bac et j'étais venu à Yaoundé dans les années 2000 pour faire linguistique. Voilà. Et je me suis inscrit au collège, je dis au collège, à Ngouaïkélé. Voilà. Nous étions les premiers étudiants en 2000 ou 2001. Les premiers étudiants en linguistique et langue africaine. Renseignez-vous bien. Nous étions les premiers étudiants au Cameroun, à Ngouaïkélé, à être inscrits en LLA, linguistique et langue africaine. Mais nous n'avions pas achevé l'année. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé, on n'était pas plus de 10 personnes, 10 étudiants inscrits en linguistique et langue africaine à cette époque-là. Et finalement,
notre département, le département de la linguistique, a décidé d'annuler d'abord pour cette année-là la LLA et on nous a tous fait basculer en linguistique générale appliquée. Voilà comment je me suis inscrit en linguistique générale appliquée. Donc, qu'est-ce qui m'envoie faire de la linguistique? C'est parce que j'avais inventé trois écritures différentes que moi seul utilise aujourd'hui encore. Il y avait l'icanographie, il y avait l'éros et la mirage. Ça, c'est les trois écritures que j'ai inventées. Et que moi seul maîtrise. Je maîtrise son alphabet, le syllabaire. Parce qu'il faut dire que lorsque je prends le cas de l'icanographie, quand j'ai commencé à inventer cette écriture, les gens se sont dit que ce n'est pas possible qu'un homme invente une écriture tout seul. Or, dans ma nature, le Seigneur m'a donné la ténacité. Laissez-moi vous montrer un exemple de l'icanographie, hein? Juste l'icanographie. Parce que l'éros et la mirage, c'est autre chose. Donc, quand vous regardez par exemple l'icanographie, je vais vous donner un exemple de l'icanographie ici. Voilà. Donc, lorsque j'invente l'icanographie, les gens disent que ce n'est pas possible. Que ce n'est pas possible qu'un homme invente une écriture seule. Les gens ne croyaient pas en ça. Et je me suis laissé absorber par des études. Je me suis mis à la recherche. J'ai commencé à faire des recherches approfondies sur cette écriture-là. Et par la grâce de Jésus, après quelque temps seulement, hein, j'ai réussi. Et j'ai inventé cette écriture-là, qui était devenue célèbre dans mon lycée où j'étais. Laissez-moi vous montrer. OK. Donc, voici un exemple de cette écriture ici. Regardez. Ça, c'est l'icanographie. Vous voyez? Laissez-moi écrire un peu. Je vais écrire Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ça, c'est Jésus-Christ t'aime dans mon écriture. Vous voyez? Ça, c'est Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et le but de cette écriture, c'était quoi? Je te parle de comment Dieu m'a appelé. Je parle aux hommes de Dieu. Juste pour que les gens comprennent que nous sommes des hommes de Dieu là. On n'était pas. Ce n'est pas parce que la vie nous a dépassés qu'on est devenu pasteur. Non. Ce n'est pas parce qu'on était des médiocres ou bien des zinzins, des zircons ou des loubards à l'école. Loin de là, nous étions au contraire très intelligents. Nous avions un avenir dans la vie. Donc, que les gens cessent de penser que nous, en tant que enfants de Dieu, ou bien pasteurs, serviteurs de Dieu dans cette nation, nous sommes devenus serviteurs de Dieu parce que la vie nous a dépassés. Rien ne nous a dépassés. Rien du tout. Et c'est ça que je dis toujours aux hommes de Dieu que c'est important de s'éduquer. C'est important de se cultiver. En tant qu'homme de Dieu, c'est très important. Je vous dis la vérité. Maintenant, le but de mon écriture à cette époque, c'était quoi? Le but de mon écriture, c'était d'inventer une écriture qui s'adapte aux langues africaines. C'était ça mon but. Inventer une écriture qui s'adapte aux langues africaines, aux réalités linguistiques africaines. Parce que dans les langues africaines, il y a des syllabes compliquées. Il y a des syllabes compliquées que le français ne peut pas traduire. Par exemple, on va vous parler de notre champion, Ngannou. Vous voyez, on parle de Ngannou. En français, on ne peut pas écrire Ngannou, Ngannou, parce qu'il y a une nasalisation. Vous voyez, de cette nasale-là, le français, l'alphabet français ne peut pas. Voilà pourquoi, lorsque les Français lisent, par exemple, les noms comme Ngannou, comme Mbala, ils disent Mbala ou bien Ngannou. Vous voyez, donc, avec l'écriture que le Seigneur m'avait accordé la sagesse d'inventer, vous savez que c'est l'esprit de Holiab et de Bessaleel. Cette écriture-là, son but, c'était d'abord de traduire toutes les langues africaines sans aucun problème. Être capable d'écrire des syllabes rares. Par exemple, en tika, on dit huor. Huor. Hein, qui a trait aux silures. Ouais, huor. Ou bien on dit fa, fa, fa. Fa, c'est le nom d'un légume, antica par exemple.
Et j'ai beaucoup aimé étudier le Tikar parce que c'est l'une des langues les plus complexes au Cameroun. Actuellement, c'est l'une des langues les plus complexes, vous voyez. Donc, quand on dit par exemple, donne-lui en Tikar, quand on dit Fanou, Fanou, on souffle. Vous voyez, c'est un peu comme Fanou, Fanou, vous voyez. Le français ne peut pas écrire Fa, la syllabe Fa, vous voyez. Donc, on ne peut pas. Ça fait que notre écriture, les canéographies devraient donc répondre à ces problèmes et résoudre ces problèmes des langues africaines en sorte que on puisse avoir une écriture à nous qui puisse traduire nos langues facilement. Et à l'époque, j'étais allé au ministère de l'Éducation nationale en 2001, je me souviens bien, et j'étais encore étudiant en Guayaquil pour leur proposer cette écriture au gouvernement camerounais, mais ils m'ont dit que non, c'est pas possible, que le français, la France ne peut pas accepter ça, et donc voilà. Donc, je ne sais pas ce que l'écriture Bamoun est capable de faire. Je ne sais pas l'histoire exacte de l'écriture Bamoun, mais il y a une réalité aujourd'hui. Le Cameroun n'a pas seulement l'écriture Bamoun. Non, le Cameroun n'a pas que l'écriture Bamoun. Il y a aussi des écritures que moi, j'ai inventées. Donc, pour dire que le Cameroun, les Camerounais ne sont pas des bêtes. Les Camerounais ne sont pas des hircons. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu a donné à cette nation la sagesse. On peut voir des Camerounais qui construisent des voitures. Hein? Ils construisent des voitures, qui font des inventions. On a des drones au Cameroun, etc. Le gouvernement camerounais devrait se pencher sur ces inventions des jeunes Camerounais pour les mettre en exergue. Malheureusement pour nous, dans le domaine linguistique, la France ne peut pas accepter aujourd'hui que le gouvernement camerounais, la nation camerounaise puisse avoir son écriture à elle. Voilà pourquoi l'écriture Bamoun n'a jamais été promue en réalité. Vous voyez. Donc, il fallait une écriture qui réponde aux besoins des langues africaines. Et j'ai donc, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était quoi? C'était qu'il fallait que cette écriture soit rapide. Qu'elle nous permette de prendre rapidement les notes. Et donc, ça fait qu'en classe, j'étais le premier élève. Quand on faisait la lecture, moi j'étais plus rapide à prendre les notes. C'était connu dans mon lycée. Laissez-moi vous montrer un exemple. Par exemple, en français, vous ne pouvez pas écrire Fanou. Fanou, Fanou, vous ne pouvez pas. Fanou, vous ne pouvez pas. Or, avec les canographies, c'est très simple. Vous voyez? Ça, c'est Fanou. Avec les canographies. C'est écrit simplement Fanou, Fanou, vous voyez? Donc, je peux l'écrire sans aucun problème. Fanou. Voilà. Donc, il y a encore quelle syllabe, par exemple? Qui était par exemple, on va vous dire, il faut écrire, par exemple, on dit huo, vous voyez? Ça, c'est huo. Simplement, huo. De ça, le français, l'alphabet français ne peut pas écrire ça. Et le deuxième objectif, c'était quoi? D'écrire, d'inventer une écriture qui devrait permettre de prendre des notes rapidement. C'est-à-dire une écriture qui soit plus courte en ce qui concerne la prise de notes que l'alphabet français. Et puis, j'ai donc trouvé la solution en mettant ce que j'ai appelé le syllabaire dans mon alphabet. J'ai ajouté un syllabaire. Par exemple, quand on écrit mon âme, je vais écrire en français et en écanographie. Voici la différence. Voilà comment j'écris mon âme en haut et voilà le français en bas. Vous voyez? Vous avez mon âme en écanographie et en français. Voilà la différence de longueur. Je vous donne un dernier exemple. Donc, il faut que les gens comprennent que Dieu nous a donné l'intelligence. On avait l'avenir de réussir. J'aurais été un grand panafricaniste dans ce pays et en Afrique. Maintenant, on écrit mon histoire. Regardez comment moi j'écris mon histoire et comment en français on écrit mon histoire. Voilà la différence. Vous voyez? En haut, c'est l'écanographie, c'est mon histoire. Et en bas, c'est en français, avec l'alphabet français, mon histoire. Vous pouvez voir nettement la différence.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que lorsque le Seigneur m'appelle à son service, ce n'est pas pour, c'est pas parce que j'ai échoué dans la vie, ce n'est pas parce que l'école m'avait dépassé. Non. Au contraire, j'avais tout pour réussir. Vous voyez? J'avais tout pour réussir. À l'école, j'étais un génie, ça c'est clair. Mais le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, nous soyons ses serviteurs. Dans la conférence des hommes de Dieu, il faut comprendre que le ministère, c'est une science. Ça, je l'ai découvert. Le ministère, c'est une science. Et si nous ne comprenons pas la science du ministère, je vous dis la vérité, on aura du mal à décoller. Voilà pourquoi, pour moi, les conférences des hommes de Dieu, ce n'est pas un moment de loisir, c'est un moment très sérieux. C'est un moment de partage des secrets de la science, de ce que j'ai découvert. Mes recherches, mes découvertes, je vous leur donne. En sorte que le succès qui m'a valu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, toi, tu peux l'avoir en une seule séance de séminaire si tu es intelligent. Si l'esprit de Dieu est en toi et si tu es intelligent, je vous dis la vérité, tu seras quelqu'un qui va marquer cette génération. Voilà pourquoi je vais dire à tous les hommes de Dieu de prendre très à cœur, de prendre vraiment à cœur cette histoire de conférence des hommes de Dieu à Yaoundé comme à Douala. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Maintenant, vous savez que, en ce qui concerne nos fils, beaucoup de mes enfants aujourd'hui ont compris une réalité qui est simple. Le ministère, ce n'est pas une imitation. Le ministère, c'est pas. C'est-à-dire, on ne se lève pas pour faire le ministère. On ne s'appelle pas. On ne s'autoproclame pas. Et on ne triche pas. C'est un domaine où la main de Dieu doit être dans ta vie. Il y a un homme de Dieu, un de mes amis, qui allait ouvrir la radio et il a ouvert la télévision. Quelque temps après, il m'a appelé. Il m'a dit, prophète, mon ami, j'ai fermé ma radio. Je lui demande pourquoi. Et j'ai fermé la radio et la télé. Je lui pose la question pourquoi. Il me dit, je croyais que c'est la télévision qui te donnait ton aura. J'étais convaincu que c'est ta radio qui te donne cette aura. Mais j'ai compris qu'il y a quelque chose. Il faut plus qu'une radio, il faut plus qu'une télévision pour avoir certains exploits avec Dieu. C'est important. Il y a beaucoup de mes jeunes fils qui ont confondu la grâce de notre ministère. Ça veut dire qu'on a fait quelqu'un quelque part, il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes, ils pressent devant des milliers de personnes, et qui se sont dit que c'était facile, qu'il suffisait d'aller ouvrir une église, et puis c'est fini, les gens viendraient, tout le monde viendrait s'abonner, immédiatement on aurait 1 000 personnes, et puis financièrement, on aurait. Non, non, non. Et lorsqu'ils ont ouvert le ministère, ils se sont rendus compte. Comme ma mère disait souvent à feu ma grand-sœur, lorsque ma grand-sœur l'a dérangée, et je sais que beaucoup de mères le disent, beaucoup de parents le disent à leurs enfants, lorsque tu accoucheras, tu sauras. Quand tu vas accoucher ta part, tu sauras. Ils ont ouvert des églises. Plusieurs d'entre eux se sont rendus compte qu'en fait, donc, l'histoire-ci, ce n'était pas simple comme je pensais. Ce n'était pas facile comme je pensais. D'autres ont fermé les églises. D'autres sont revenus. D'autres sont rentrés au village. Beaucoup qui se sont séparés de moi, qui ont ouvert des ministères, comprennent maintenant la réalité du ministère. Il faut sortir. Vous savez que le fils prodigue qui était sous son père, lorsqu'il a regardé dehors, il s'est dit, ah, c'est facile, parce qu'il avait tout, il avait un héritage. Mais il ne sait pas comment son père s'était battu pour amasser ce trésor. Donc pour lui, c'était, ok, je vais aller, je serai aussi riche comme mon père, la richesse est simple. Lorsqu'il est parti, en peu de temps, toutes ses économies se sont vidées. Et il est tombé dans la pauvreté, dans le manquement, dans la disette, en sorte que le fils d'un roi s'est retrouvé en train de manger la nourriture des pourceaux. Vous voyez? Donc, comme pour dire quoi? Tout simplement que le ministère, c'est un don. Il y a plusieurs de mes fils, par exemple, qui ont cru, ok, quand ils étaient sous moi et qui prophétisaient, ah, ils se sont dit, ah, j'ai la grâce, je peux prophétiser, je vais aller. C'est maintenant qu'ils comprennent qu'en fait, c'est un manteau qui agissait en eux. Ils comprennent que c'est l'alliance que je porte qui leur facilitait la tâche. Aujourd'hui, prophétiser, se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas la loterie, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas les hasards. Non, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est pas. Non, Dieu est dans cette affaire. On entend quelqu'un.
on entend quelque chose. Un vrai prophète, il faut faire attention, on n'imite pas. C'est des choses où on ne triche pas. On ne triche pas, ce n'est pas des devinettes, ce n'est pas la divination. C'est une réalité, il y a une source réelle, une communion réelle entre le prophète et le Dieu des prophètes. C'est une réalité, il y a cette communion-là, il y a cette communication entre le prophète et la source d'information. Vous voyez? Comme j'ai eu l'habitude d'expliquer, j'étais dans une ville où les autorités m'ont demandé que lorsque vous dites que vous révélez les secrets des gens-là, est-ce que ce n'est pas arrangé? Dis-nous la vérité. Les gens sont étonnés. Donc le prophétique, ce n'est pas une tricherie. C'est pour ça que les prophètes en Afrique sont devenus de plus en plus dangereux. Donc c'est une réalité. Les gens comprennent donc que ah, le ministère-là, ce n'est pas parce que tu parles bien. Le ministère, ce n'est pas parce que tu as un bagage intellectuel. Le ministère, ce n'est pas parce que tu sais bien prêcher. Non, ce n'est pas ça. C'est une alliance, c'est une grâce, c'est un don. Il y a des gens qui prêchent mieux que moi. Il y a des gens qui sont plus éloquents que moi. Il y a des gens qui maîtrisent mieux la Bible que moi, qui maîtrisent mieux la théologie ou bien les langues bibliques que moi dans ce pays. Mais qui cependant n'arrivent pas à voir l'exploit que le Seigneur m'a donné. Pourquoi? Parce que c'est une grâce. Je n'ai jamais fait d'affiche. Vous ne trouverez jamais nulle part où j'organise un programme et je fais des affiches. On met ça, les panneaux publicitaires. Ça, je n'ai jamais fait ça. Jamais dans ce pays, je n'ai jamais fait ça. Je ne fais jamais de flyers pour les donner aux gens, donner aux gens, donner aux gens. Je n'ai jamais fait ça. On ne fait pas ça. Vous comprenez? Je ne communique pas dans d'autres chaînes, etc., etc. Non. Et je ne fais pas mes programmes. D'ailleurs, mes programmes ne sont même pas très bien préparés. Mes programmes ne sont pas très bien préparés. Ça veut dire que je peux me lever, je dis ok, après demain, nous avons 3 jours de puissance dans telle ville. Et puis moi, je me lève par l'Esprit de Christ et par la foi, par l'alliance. Je porte mon alliance, je porte le bagage de l'alliance et la provision de l'alliance. Pam, je vais. Et il y a des milliers de personnes qui se rassemblent. Il y a des semaines où je prêche à 15 000 personnes. Je parle de 15 000 personnes assises devant moi. Quand je prends Yaoundé, Douala ou Yaoundé, Bertois. Il y a des dimanches où on prêche à 15 000 personnes assises. Ouais. Pourquoi? Et c'est ma force, et c'est ma capacité. Non, chers hommes de Dieu, il y a quelque chose que tu dois avoir. Il y a un ingrédient qu'il faut que tu aies. Il y a des secrets. C'est une science. Il y a une science dedans. Ce n'est pas un homme. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas parce que les gens ne me suivent pas parce que je suis beau. Les gens ne me suivent pas parce que je suis éloquent. Non. Il y a un contrat d'alliance entre moi et le Seigneur Jésus. Un jour, le Seigneur m'a dit, je retirerai mes brebis de ceux qui se disent être mes serviteurs, qui ne le sont pas, qui ne disent pas la vérité. Je les rassemblerai autour de toi et toi, tu leur diras la vérité que d'autres ne veulent pas leur dire. Donc, il y a des alliances comme ça que vous faites avec Dieu. Vous prédisposez sur le plan volanistique et puis vous mettez à la disposition de Dieu. Et Dieu vous utilise. Et puis voilà, mais c'est Dieu qui agit. Il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Donc, lorsque Jésus-Christ est élevé par un homme, lorsque Jésus-Christ est élevé dans un ministère, il attire les hommes. Je vous ai raconté l'anecdote du Burkina Faso. Les Burkinabés, mes bien-aimés là-bas, peuvent témoigner. En 2017, lorsque j'arrive au Burkina Faso, je prophétise comme une machine. Et les gens me donnent des noms grandiloquents. Les gens me donnent des noms terribles. Il y a même un de mes fils ici, le reverend Benjamin Boro, qui m'appelait même « Which Killer, professeur et Which Killer ». Je m'ai arrêté à profiter pour regarder que c'est encore quel genre de nom comme ça. Ouais. Donc les gens donnaient des noms. Des gens m'adulaient. Les gens m'endivinisaient. Et ce soir, quand je rentre dans mon hôtel, c'était le premier jour de la campagne. La nuit, je vous dis la vérité devant Jésus-Christ qui m'a appelé. C'est ça que j'ai dit souvent. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a de cela peut-être 8 ans qu'on va détruire cette œuvre. Ton œuvre, si on va détruire, je lui ai dit, si c'est mon œuvre, si je me suis levé de moi-même pour inventer les choses, me lever, dire aux gens, mentir que Dieu m'a appelé, ou que le Seigneur Jésus m'est apparu, et pourtant je n'ai rien vu. J'ai dit, vous allez détruire. Mais s'il est vrai que c'est la main de l'Éternel, que c'est par vocation divine, le Seigneur est venu m'appeler, me demandant d'abandonner mes études pour venir à lui, alors
C'est votre œuvre qui sera détruite. Le bâton de celui que l'Éternel a choisi, c'est lui qui fleurira. Le bâton de celui que l'Éternel a choisi, c'est lui qui fleurira. On verra le bâton de qui fleurira. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère s'est éteint. Vous voyez. Donc, la nuit, pendant que je dormais, Gurtaka wa annamelto. Seigneur, mon âme s'humilie devant toi. Mon âme s'humilie devant toi, Jésus. Je suis misérable. Aide-moi, Seigneur. Je suis fini. Je suis misérable. Je suis misérable. La nuit, pendant que j'étais dans mon hôtel et que je me félicitais de cette journée extraordinaire, des milliers et des milliers de Burkinabés étaient à la maison du peuple. Des milliers et des milliers de Burkinabés, des milliers de motos garées à l'intérieur comme à l'extérieur. La nuit, le Seigneur Jésus-Christ, vêtu de blanc, est entré dans ma chambre. Et il s'est tenu au chevet de mon lit. Et il m'a posé une question, Ferdinand, lorsque tu prophétisais et que les gens disaient prophétie major, 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 méga, méga, qu'est-ce que ça voulait dire? Et j'ai dit au Seigneur Jésus que non, tu sais que comme nous on est jeunes là, on aime l'ambiance. Et il m'a dit ceci, Barita wa anna meros, inaglepata, manotata wa anna, Seigneur, souviens-toi de tes promesses dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui m'as dit, tu as remarqué partout, tu es passé parmi les jeunes gens de ton âge. Tu as été distingué parce que j'ai mis un signe sur toi pour ces temps-ci. Quand voici vient le temps de l'encre plein. Seigneur, tu m'as dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Seigneur, veille sur ta parole. Je crois en toi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime de toute ma force. Sois mon berger. David a dit, Yahweh Roi Lo Esar, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Paix, sois le berger de mon âme. Que tout plan de Satan contre ma vie et mon ministère soit anathème. Seigneur, merci, parce que ma vie a du prix à tes yeux. Souviens-toi de mon cœur. La nuit, le Seigneur m'est apparu et il m'a demandé. Et je lui ai répondu, non Seigneur, tu sais, nous on aime l'ambiance. Il m'a dit ceci, écoute, d'autres ont fait comme toi et j'ai retiré mon don de leur vie et ils sont devenus aveugles. Et lorsqu'ils apparaissaient devant le peuple qui les haranguait, ils faisaient et ils ne pouvaient plus prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus aveugles comme ils étaient avant que mon don ne tombe sur eux. Et il m'a dit ceci, lorsque je te donne ma parole pour la donner, donne ma parole sans chercher à partager ma gloire. Sinon, tu redeviendras aveugle. Bien-aimé, je suis allé confesser en public. Regardez le culte là. 2017, j'ai confessé en public ce qui s'est passé. Je me suis repenti et j'ai interdit à mes fils de ne plus jamais me donner des noms Major One ou Major quoi ou c'est quoi. J'ai dit, je ne veux plus de ça. Quand je prophétise, je dis gloire à Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Le Seigneur est vivant. Voilà pourquoi quand je prophétise, vous allez remarquer, je me mets toujours à genoux. Celui qui a vu Dieu ne peut pas être orgueilleux. Je me répète, celui qui a vu Dieu ne peut pas être orgueilleux. Un homme de Dieu qui est orgueilleux n'a pas vu Dieu. Ou il a vu Dieu, ça fait longtemps. Ou ça fait longtemps, il n'a pas vu Dieu. Parce que celui qui voit Dieu ne peut pas tenter Dieu par l'orgueil. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Un homme ne peut pas voir Dieu et taper sa poitrine. Un homme ne peut pas voir Dieu et mépriser les autres. Un homme ne peut pas voir Dieu et être altruiste. Ceux qui voient Dieu meurent en eux-mêmes. Parce que la présence de Dieu te tue. La présence de Dieu te tue, mon ami. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Hein. Vraiment, si quelqu'un se fâche, je suis désolé. Écoutez bien. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu dans ce pays ou dans d'autres nations qui ne font pas les prouesses que je fais. Je préfère dire que l'Esprit de Christ fait à travers le vermisseau que je suis. Mais, pour leur parler, tu es malade. Tu les abordes en route, tu leur dis bonjour, frère, tu veux la malédiction? Pour les rencontrer, tu sais combien ça coûte? Tu ne parles pas n'importe comment.
Ils t'insultent. D'autres même te fouettent. Pourquoi? Parce que à cause du peu de prouesses que le Seigneur leur a donné. Écoutez, un jour je dormais. Vraiment, ça c'est, je le dis, je partage avec vous. Hein. Quelqu'un, c'est pas pour me vanter ou bien pour fâcher quelqu'un. Désolé si ça vous énerve. Mais je me dois de le dire. J'ai fait une vision un jour où le Saint-Esprit, où l'ange de l'Éternel me demande, Ferdinand, est-ce que tu connais ta valeur? J'ai dit oui. Il me dit non. Je ne pense pas. Il me pose la même question, est-ce que tu connais ta valeur? J'ai dit oui. Là encore, il dit non. Et puis, il me pose encore la question, est-ce que tu connais ce que Dieu investit en toi? J'ai dit non. Là, je ne réponds plus, je suis triste. Et il m'a dit ceci, parmi tes jeunes frères, tu es celui qui rassemble le plus de personnes dans cette nation. Il faut que tu sois conscient de la grâce de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être orgueilleux. Je ne veux pas trop mettre les yeux sur ce que je fais. Parce que c'est ça qui tue les hommes de Dieu. Lorsque tu veux mettre tes yeux sur le nombre de personnes que tu rassembles, c'est ça qui va commencer à mettre des sentiments de picotement d'orgueil en toi. La semence de l'orgueil va entrer en toi. Lorsque on regarde, tu regardes déjà comment le don de Dieu se révèle en toi, le don de guérison, c'est là que l'orgueil arrive. Lorsque tu commences à regarder comment tu prophétises, c'est là que l'orgueil arrive. Lorsque tu mets tes yeux sur l'œuvre que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ opère à travers toi, qui n'est pas de toi, tu vas commencer à t'approprier l'œuvre de Dieu, l'action de l'Éternel, et tu vas penser que c'est toi, et puis tu vas te corrompre, et l'orgueil, c'est la corruption de la bonne conscience, en fait. Et l'apôtre Paul dit, cette bonne conscience, plusieurs l'ont perdu, ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, personnellement, je n'aime pas, je ne veux pas mettre mes yeux sur ce que je fais. Non. Nous avons fait culte dernièrement à Berthoud avec plus de 7000 personnes. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les nombres qu'on gonfle ou bien non. On a fait culte avec plus de 7000 personnes. C'est sérieux. Et vous faites à Yaoundé, vous avez 5000 personnes, 7000 personnes. Vous êtes déjà à 12 000 personnes en un dimanche. Un dimanche, 12 000 personnes. Maintenant, si quelqu'un veut s'arrêter sur ça, ce n'est pas notre force. Ce n'est pas parce que je suis fort. Non, je ne sais pas d'où ces gens viennent. J'ai une seule responsabilité, c'est de leur dire la vérité que le Seigneur me met à cœur. C'est d'être l'instrument que Dieu veut que je sois sans me corrompre. Si Dieu dit, je veux dire. Même si c'est contre moi-même, je veux le dire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne faudrait pas que je frustre le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas que j'empêche le Seigneur d'atteindre les âmes, d'atteindre les vies, ou je ne dois pas empêcher ou corrompre le message de Dieu. Voilà pourquoi, si Dieu me dit tu vas mourir, je dis tu vas mourir. Si Dieu me dit tu vas vivre, je dis tu vas vivre. Ouais, c'est ça qui est important en tant qu'homme de Dieu. Donc, il est capitalissime que les hommes de Dieu comprennent cela. L'alliance avec Dieu, c'est important. Et l'alliance avec Dieu ne suffit pas. Il faut maintenant maîtriser les lois de la science du ministère. J'ai expliqué que lorsque vous recevez par exemple les dons de l'esprit, vous avez en réalité un don. Mais pour développer le don, vous entrez dans la science du don. Voyez, c'est important. Vous entrez dans la science du don. Donc, le ministère, ce n'est pas la sorcellerie en réalité. On n'a pas besoin d'être sorcier. D'ailleurs, je ne vois pas celui qui pratique la sorcellerie là qui fait ce que nous faisons. Il n'y en a pas. Bien-aimé, il n'y en a pas. Et on ne peut pas mesurer la force de Christ avec la force de Marabout. Donc, il faut que nous comprenions cela. Donc, je vais dire à tous les ouvriers, tous ceux qui aspirent, même si tu aspires seulement à servir Dieu, tu sens que tu as la vocation de Dieu dans ta vie, tu as une passion pour le ministère, tu es mon invité. Donnez-moi la date des serviteurs de Dieu, là, la date, la conférence des hommes de Dieu. Donc, vous êtes invités. Vous êtes invités à venir. Je vous dis la vérité. Donc, il faut comprendre que Dieu est réel, Dieu est vrai. Jésus-Christ a dit, « Ego imihe anastasis kaito hezoe. Opison es emeta potan es eseta. » Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. « Ego eimi. » C'est-à-dire, « Moi, je suis. » Vous voyez. « Ego eimi. » »« Moi, je suis. » Jésus-Christ est vrai. Il est réel. Et vous devez savoir une chose. Dieu n'utilise pas les instruments parfaits. Parce que d'hommes parfaits, il n'y en a pas. Non. Si vous attendez les hommes de Dieu parfaits, vous n'en aurez jamais. Ça n'existe nulle part. Chaque homme de Dieu à son humanité. Sinon, on n'est plus un homme de Dieu. On devait nous appeler les dieux de Dieu. Le fait qu'on m'appelle homme de Dieu montre la dualité, l'humanité et la divinité. Il faut que les gens comprennent cela. Il n'y a pas d'homme de Dieu parfait. Donc, je veux parler aux brebis qui quittent leurs églises pour les erreurs de leur pasteur. Toi, tu n'as pas d'erreur.
Vous n'avez pas d'erreur. Voyez, il y a une injustice entre les brebis et les pasteurs. Il y a une grande injustice. Cette injustice, c'est quoi? C'est que lorsque la brebis a des problèmes, lorsqu'elle manifeste des faiblesses, des limitations, le pasteur est toujours là pour elle. Le pasteur doit la comprendre. Le pasteur ne la chasse pas de l'église. Le pasteur l'exhorte. Le pasteur prie avec elle. Le pasteur jeûne avec elle. Le pasteur garde son secret. Mais lorsqu'un pasteur fléchit, lorsqu'il manifeste une faiblesse, les brebis ne pardonnent pas. Les brebis ne lui accordent pas une seconde chance. Les brebis ne gardent pas ça pour elles, pour prier pour le pasteur. Les brebis ne cherchent pas à ramener le pasteur à la vie ou bien à la raison. On doit le condamner, on doit l'abattre. Il n'a pas droit à une seconde chance. Il doit mourir. Ouais. C'est un peu ça l'injustice dans la relation qui devrait être symbiotique entre le pasteur et la brebis. Le pasteur est un homme comme toi. Ton pasteur peut commettre des erreurs. Les hommes de Dieu dans les Saintes Écritures, tous ont commis des erreurs. Chacun doit manifester son humanité quelque part. Il y a un caractère propre à ton homme de Dieu, à ton père spirituel ou à ta mère spirituelle. Et tu ne dois pas juger ton homme de Dieu, ton père spirituel, ta mère spirituelle sur sa faiblesse caractérielle, mais sur le don de Dieu sur sa vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira « Ho dekomenon propheten eis onoma prophetou ». Il ne dit pas « eis onoma andros ». Il dit « Ho dekomenon propheten eis onoma prophetou ». Celui qui reçoit le prophète au nom de prophète, en sa qualité de prophète, et non pas eis onoma andros, et non pas en sa qualité d'homme. Non. Ou bien eis onoma ekane Ferdinand, ou en sa qualité de Kane Ferdinand. Non. La perfection de Dieu est dans son don que porte l'homme de Dieu. Comprenez ça? La perfection de Dieu n'est pas dans le caractère de ton homme de Dieu, mais dans le don qu'il porte. Le don est parfait, venant d'un Dieu parfait. Mais ce don parfait est porté dans un vase imparfait, humain. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et Dieu, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est donc une dualité, un hiatus qui peut poser problème. Voici un trésor de l'or, mais qui est embourbé dans un vase de terre. Paul fait le contraste entre la perfection de Dieu à travers son don, qui est le trésor de Dieu en nous, et notre imperfection, notre humanité, nous sommes comme un vase de terre. Ce qui montre l'imperfection, l'insuffisance. Donc, il faut comprendre que un homme de Dieu n'est pas parfait. Dieu n'a jamais travaillé avec des personnes parfaites. Il travaille avec des personnes qui ont la volonté. Il travaille avec des personnes qui ont des dispositions volanistiques. Dieu travaille avec ceux qui veulent faire quelque chose. Ceux qui veulent que Dieu les utilise. Dieu travaille avec ceux qui ont de bonnes dispositions. Lorsque tu as de bonnes dispositions, Dieu te rendra capable. Dieu ne travaille pas avec ceux qui ont des capacités, parce qu'aucune capacité humaine ne peut être efficace dans l'œuvre de Dieu. Donc, n'attends pas la perfection de ton homme de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dira à Philémon. Il parle à Philémon, je passe à Philémon, il dit que soyez soumis à vos maîtres, même à ceux qui sont durs de caractère. Ouais. Il dit soyez soumis à vos maîtres, même à ceux qui sont durs de caractère. Il y a des gens durs de caractère. L'apôtre Paul lui-même était un exemple de personnes dures de caractère. Paul ne donnait pas une seconde chance à quelqu'un. Et l'apôtre Paul, lui, il insultait même parfois. Hein. Vous vous souvenez avec l'histoire du souverain sacrificateur, lorsque les choses arrivent, l'apôtre Paul va insulter le souverain sacrificateur, tombeau blanchi, qui s'est dit qu'on peut dire hypocrite. Oui. Donc, hypocrite. Et on va gifler l'apôtre Paul. Et le soldat qui va gifler Paul va lui dire que, est-ce ainsi que tu parles au chef, au souverain sacrificateur? Qu'est-ce que l'apôtre Paul va répondre? Je ne savais pas que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne porteras pas de propos injurieux contre le chef de ton peuple. Lui me reconnaît, car il est écrit, tu ne porteras pas de propos injurieux contre le chef de ton peuple. Voyez. Ouais. Donc l'apôtre Paul reconnaît. Il reconnaît qu'il a porté de propos injurieux contre le souverain sacrificateur. C'est acte 23, verset 5. Laissez-moi lire ça. Acte 23, verset 4 à 5. Trois même. Non. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui
de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit. » Donc, il fallait aller adorer le crâne, et cette maman est allée. Quand elle est revenue, on l'a excommunié. Quand on l'a excommunié, le dimanche qui suivait, pendant qu'on priait, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Vous voyez, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Baptisée dans le Saint-Esprit, étant excommunié pour idolâtrie. Qu'est-ce qui s'était passé? Parfois, quelqu'un peut se retrouver en train de faire une chose, juste après, c'est-à-dire même pendant que la personne fait la chose, son cœur est meurtri devant le Seigneur. Le Seigneur l'a pardonné, la personne s'est réconciliée avec son Dieu. Mais cependant, l'homme jugera toujours sur le péché d'il y a 10 ans, sur le péché d'il y a 5 ans, sur le péché d'il y a 1 mois, sur le péché d'il y a 8 ans. C'est-à-dire que si tu as connu quelqu'un et la personne t'avait trouvé dans une condition où tu avais volé, supposons que tu es un frère en Christ, un frère arrivé quelque part, il a trouvé que tu avais volé le téléphone. Vous vous séparez, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. La 10e année après, lorsqu'il va te voir, il va dire à ceux qui sont avec lui, il va te saluer, bien-aimé, ça va, ça va, ça va. Mais il va dire à tout le monde, là, tenez bien vos porte-monnaies. Faites attention à vos porte-monnaies parce que c'est un voleur. Mais il ne peut pas imaginer un seul instant qu'en une fraction de tierce de seconde, Dieu peut pardonner, quelqu'un peut se repentir, quelqu'un peut changer et Dieu peut pardonner le péché de quelqu'un. Les gens ne comprennent pas ça. Le jugement de Dieu est dynamique, mais le jugement des hommes est étatique, il est statique, vous comprenez? Donc, l'image, la dernière image que l'homme a de toi, en se séparant de toi, est la même image qu'il aura de toi lorsqu'il te reverra. Donc, l'homme ne comprend pas que non, entre-temps, tu peux avoir changé, que les gens peuvent changer, qu'on peut se repentir, que quelqu'un peut être transformé. Tu peux voir quelqu'un là maintenant, il sort d'une chambre d'hôtel avec une femme ou avec un homme. Il est en train de sortir là avec Dieu. Que les gens écoutent bien. Je dois enseigner sur la grâce, la puissance de la grâce. Je dis encore, je répète, tu peux voir quelqu'un, il sort de la chambre d'hôtel avec un homme, tu vois une soeur en Christ, sortir de la chambre d'hôtel avec un homme. Ils sont en train de sortir là, elle sort avec Dieu. Elle sort avec Dieu. Et elle reçoit des révélations. Et le don de Dieu se manifeste. Et tu te demandes que, mais, est-ce que Dieu ne voit pas que c'est une adultère, elle allait comme un adultère, maintenant elle vient prophétise ou bien prie, Dieu se manifeste, elle guérit les malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé, Dieu ne soutient pas l'adultère. Dieu ne soutient pas le péché. Mais Dieu ne dédaigne pas non plus le cœur contrit et le repentant. Le cœur sincèrement repentant, les chrétiens pentecôtistes, c'est à vous que je m'adresse. Les chrétiens pentecôtistes, les connaisseurs, les tout connaisseurs, les omniscients, comprenez bien le mystère de la science de la grâce. Pourquoi? Parce que il peut être que pendant que l'homme s'est en train de quitter de cette femme, de déçue cette femme, son cœur est déchiré devant Dieu. Dans des larmes, elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pardonne-moi, Seigneur, pitié de moi. Dieu n'est pas comme nous les hommes. C'est toi qui, pour pardonner quelqu'un, tu vas prendre 10 ans, 5 ans, 20 ans pour lui dire que non, attends, il y a cela 15 ans, tu m'avais d'abord fait ceci, j'ai pardonné. Tu as encore fait l'autre, donc tu fais ça exprès. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, la Bible dit, il ne dédaigne pas le cœur contrit. Il ne dédaigne pas l'esprit abattu. Donc, tu peux voir quelqu'un qui sort là-bas, il a été abattu dans son esprit, demandant pardon. Dès que c'est son pardon arrive au ciel, Dieu lui a pardonné son iniquité et Dieu sort en la consolant ou bien en le consolant. Et toi, tu vas figer tes regards sur l'acte qui a été commis sur lequel Dieu n'est plus. Je vais vous donner un exemple biblique. Dieu ne soutient pas le péché, mais Dieu pardonne ceux qui sont repentants de tout leur cœur. Regardez par exemple Marie, la prostituée. Lorsque Marie, la prostituée, arrive, elle entre dans la maison de Simon le pharisien. Lorsqu'elle entre dans la maison de Simon le pharisien, qu'est-ce qui se passe? C'est une prostituée qui entre. Pour les hommes, c'est une prostituée. C'est vrai, c'est une prostituée qui entrait. Lorsque Marie repartait, pour les hommes, c'est une prostituée qui partait. Mais pour Dieu, c'était une nouvelle, une née de nouveau qui sortait. C'était une âme née de nouveau. C'était une rachetée qui sortait. C'était une âme pardonnée. Son nom avait été écrit dans le livre de la vie éternelle.
Mais l'homme ne pouvait pas voir cela. Parce que c'est quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme. L'homme voit à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel voit au cœur. Et je comprends pourquoi certaines personnes disent que Dieu ne voit pas ce qui frappe aux yeux, c'est le cœur. C'est vrai que Dieu voit aussi ce qui frappe aux yeux de temps en temps. Par exemple, ton habillement, Dieu voit cela, ça c'est très important. Donc, mais la vérité dans cet adage, c'est que quelqu'un peut se repentir d'un péché que toi tu connais. Et il change. Dieu lui a pardonné, il a fait la paix avec Dieu, mais toi, tu resteras dans les problèmes avec la personne. Et c'est ça la force de David. Aucun roi n'a péché comme David. Mais dans tous ceux qui ont péché, multipliant les péchés, David, la différence avec d'autres rois, c'est qu'il se repentait et de tout son cœur. Et une autre chose, c'est que David n'avait pas fait le même péché deux fois. Avec la même personne, hein, mais il faisait quand même, il pouvait faire ça avec différentes personnes. Parce que David, vraiment, la femme qu'il a eue, vrai, c'est Milka. Le reste là, c'était pas ses femmes. Et la Bible n'a jamais reconnu ces femmes comme étant des épouses de David. Mais qu'est-ce qui a plu à Dieu dans la vie de David? Bon, ce n'est pas le coup sur la grâce, mais je dois vous enseigner sur la grâce. Parce que beaucoup de chrétiens se culpabilisent et le diable s'appuie sur tes erreurs d'il y a 10 ans que le sang de Jésus a déjà lavé depuis longtemps pour te bloquer dans ta mentalité, dans ta relation avec Dieu ou bien dans ta foi chrétienne. Et beaucoup de chrétiens sont captifs des prisons de la culpabilité. Je te parle de la culpabilité et de la grâce. Et tu seras sauvé de la culpabilité. Je vous dis la vérité. Donc, il faut comprendre ces choses-là, bien-aimé. Donc, le ministère, Dieu n'utilise pas les personnes parfaites. Moi-même, je ne suis pas un homme parfait. Pas du tout. Je ne suis pas parfait. Je lutte pour tendre à la perfection. Je ne suis pas parfait. Mais je ne suis pas une personne mauvaise. Je suis une personne bonne. Parce qu'en fait, ce qui attire Dieu vers un homme ou vers une femme pour l'appeler à son service, c'est le jard du cœur. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Ce qui attire Dieu vers un homme ou vers une femme pour l'inviter à son service, c'est la qualité de cœur. Lorsque le cœur est de bonne qualité, Dieu t'appelle. Dieu n'appelle jamais quelqu'un qui est méchant de cœur. Donc, sachez que tout homme de Dieu qui a reçu une vocation authentique de Dieu est une personne bonne au fond. Mais cependant, ça n'empêche pas que cette personne ait des faiblesses ou bien des limites. Vous voyez, que cette personne ait des limites. Donc, mes enfants qui vivent avec moi, ils sont très patients vis-à-vis de moi. Parce que je suis très bouillonnant. C'est mon humanité. Parfois, je gronde là et c'est après que je me rends compte qu'en fait, je me suis trompé. Et je demande aussi pardon facilement. Ok, ça va. Petit, je m'excuse, pardonne-moi. Je me suis trompé. C'est important de le faire. Un parent doit aussi demander pardon à ses enfants. Vous voyez. Donc, il faut comprendre ça. Je ne suis pas parfait. Je peux poser un acte là, ça te blesse. Un acte purement charnel. Et après ça, je prophétise, le feu sort. Tu te demandes, mais le type, c'est qui vient de me dire un mot choquant, comment il peut prophétiser comme ça? Non, il faut faire attention. J'agis dans le manteau. Quand j'opère dans le manteau, je suis dans la perfection de Christ. Maintenant, si tu vis avec moi, tu connaîtras aussi mes limites. C'est où tu peux trouver que ton pasteur, il bavarde un peu trop, ou bien ton pasteur, là, il ne garde pas le secret des gens, ou ton pasteur, là, il s'énerve beaucoup, ou ton pasteur, il est trop dur, ou ton pasteur, pour qu'il pardonne, c'est compliqué. Mais si tu te regardes, tu regardes ça, tu regardes son humanité, à l'église, tu ne vas pas croire en ce qu'il fait. Tu vas croire que c'est la sorcellerie. Non, Dieu l'utilise puissamment. Parce que Dieu ne regarde pas l'humanité de ses serviteurs, mais il regarde la sincérité de leur cœur. Parce que tout humain, tout qu'on fait, toi-même qui juges ton pasteur, là, tu es parfait. Est-ce que tu es parfait? Tu n'es pas parfait. Toi-même, tu as tes limites. Tout homme a ses limites. C'est pour ça qu'on est des hommes. La perfection n'est pas humaine. La même chose, lorsque vous voulez vous marier, vous cherchez un homme ou une femme, vous ne pouvez pas trouver un homme parfait ou bien une femme parfaite. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas faisable. Mais nous tendons vers la perfection. Ça ne veut pas dire qu'il faut se plaire dans ses faiblesses. Mais l'apôtre peut dire, je me plais dans mes faiblesses. Il faut comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, mais il faut comprendre que chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu a une faiblesse. Il a une limite. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il se rappelle qu'il est un homme, qu'il dépend de Dieu, qu'il doit se crier à Dieu. Orange, vraiment, je ne comprends plus. Donc voilà, que Dieu te bénisse. Ce soir, atmosphère de miracle, ne reste pas à la maison. S'il te plaît, ne manque pas spécial atmosphère de miracle ce soir. Que toute la ville de Yaoundé soit à la bire. La main de Dieu veut te toucher. Ce sera une soirée magnifique, s'il vous plaît. Je voudrais que chacun de vous comprenne cette chose. Prends tes enfants, prends ta maison, dépends ton argent pour Dieu. Et Dieu te bénira. Ce soir, nous allons déchirer le vêtement de la honte. C'est le premier programme de ce mois de novembre.
Si tu restes chez toi, c'est que tu ne sais pas ce que tu cherches, de dire la vérité. Donc ne reste pas à la maison. Tous les habitants de Yaoundé et ses environs, rendez-vous à la bire, à Kouaban. Dès que vous êtes au Carrefour Kouaban, demandez la bire, on va vous montrer. Et vous devez savoir, bien aimé, que ce dimanche sera terrible. Si tu manques ce dimanche, oh mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais te dire. Ne reste pas chez toi ce dimanche, à 7h30 à la bire. Et les habitants de Douala, 16h, je serai à Douala. Dieu va se révéler de façon puissante. Et la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, à Douala, ne manque pas. Dieu veut te visiter, Dieu veut te toucher. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie. S'il y a un sujet de honte dans ta vie ou bien dans ta famille, la honte règne dans vos vies. S'il te plaît, ne manque pas. Et voici les dates pour les serviteurs de Dieu. La conférence des hommes de Dieu à Douala, ce sera du 15 au 18. Du 15 au 17 à Douala. Du 15, lundi, mardi, mercredi, 17. Et à Yaoundé, ce sera du 18 au 20 novembre. Voilà, donc jeudi le 18, vendredi le 19 et samedi matin, nous aurons une session du matin. Les autres jours, ça sera matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Donc, s'il vous plaît, ne manquez pas à cette conférence des hommes de Dieu. Voyagez, venez de partout et par la grâce du Seigneur, Dieu vous remplira pour l'année 2022, surtout pour cette fin d'année. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pour tous les habitants de Yaoundé. Toi qui m'écoutes, Dieu te parle, ce n'est pas un hasard. Prends ta voiture, ton taxi, dis la bire. Quand tu as quoi, bah, demande la bire. On t'amènera là-bas. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h. Comme tu viens, que le Seigneur te bénisse, qu'il déchire le vêtement de la honte de ta vie et que sa grâce abonde dans ta vie qui te donne de faire des exploits que personne n'a jamais réalisé, ni dans la maison de ton père, ni dans la maison de ta mère. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Shalom. Les habitants de Kribi, nous serons à Kribi dans la semaine du 20. Nous serons à Kribi avec vous. Et Dieu se manifestera puissamment. Donc, s'il vous plaît, nous avons la retraite, le pèlerinage annuel sur le mont Kolafamba du 1er au 4 décembre. Les badges seront disponibles à partir de ce dimanche. Achète déjà ton badge. Et ne manque pas le pèlerinage annuel, s'il te plaît, si tu aimes ta vie. Venons très nombreux, allons sur cette montagne. C'est là-bas que j'ai vu les anges, les sept anges de mon ministère. Et Dieu te montrera une vision là-bas cette année. Tu ne retourneras pas comme tu es monté. L'Exodus Night, 31 décembre. Pour le reste, le Seigneur te bénisse. Je t'aime. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h à la Bible pour spécial atmosphère de miracle, le déchirement du voile de la honte dans ma vie et dans ma famille. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.